conférence au cours de laquelle je vais présenter diverses sortes de textes, me demandant lesquels feraient plaisir. Et notre ami ici a souligné qu'il avait apprécié ce que j'avais préparé comme bulletin de nouvelles, mais cette fois-ci, je le fais d'une façon différente. Mes âmes et mes yeux, vin de Bévue au nul vin de bouteille, de l'Observatoire de Patavisite. Gréconomie. Depuis le déduit de la misaine derrière, les armateurs de mi-gaufres ont entre gris de réduire encore la voilure de leur couvaison pour tenir balance des récents arrimages de crevettes en marée. Ils prient leur bagatelle de ne pas se démater, la gravité de leur poison n'en sera pas affrétée outre mesure. Genou. Ou chenou. Genou. Genou ou chenou. Deux mitoyens de Saint-Jean-Branche ont été au sein d'un drame la germaine verrière quand ils ont surgelé un mâle tendu par six fleurs, endormant alors un engouteillage de vin chaudron fleur. Une plainte a aussitôt été branchée par le bousculé qui éclaire que la parole sera de beaucoup d'argent et que les dégoûtants ne s'en béniront pas saufs ni saints dans de tels circonflexes. Nous vous plaindrons au coutant. Finance de Pau. La nouvelle sandale tenancière qui vient de s'écailler dans la planque bocale éclaboucle encore la dissection des facteurs de roubles. Zélie Nécropole harponnait hier que des langues étrangères ont été rouillées par le fer des fausses tchéquées d'aplomb. Dans le mésieux de la chaussure, on craint pied tenant que le reculons l'air et non là ne babille plus qu'en plaque et ploque, encombrant encore l'urgence des thèses et prothèses notaires. Frima. La diffusion méchante d'un rodéo documenté sur la fronte des glaces bipolaires a germé un mois dernier dans les chaudières et chacun se demande si le dos ou le riz chauvement schismatique arrosé il y a des années de champ n'est pas en locomotive de nous formater des accès qui se fâcheront en respirant de puits en puits au nord. Brévoyant une minante secousse de gruyère, une goinfrerie caucase titoubait hier une réplique à cinq estrophes pour qu'il intermède en gros yeux. Mais les internautes ne se sont pas fondus dans la glaise pour y briller. Scène internationale. Les confettis en série sont sur le point d'être fermés, à agencer pour une poubelle fois la diplodomatie rustre. L'indécente patate au serin a broché la gare d'un agrafement qui archivera les postillons rougibroc et les portes vont souffrir sur un fessé le jeu à bizuter le porte-mariole des arnaquets. C'est clair. C'est très clair. Mais je le savais que ça allait arriver. Sur le dollar du sport, en vain, la figure colonelle de l'équipe OPAC a firmement nié la tumeur coulant que la pilosité récente ait croûté plus d'un bio à flotter. Elle a, se penchant, communié à grand dépotoir de forte embellie que la prochaine messe se réchauffe. Pas encore. Oui, mais on est prêt avec ça. C'est une messe chaude. Mettez bas et mettez haut. Et mettons beau, mettons haut, mettons saut, mettons haut. Mettons là et mettons haut. Choisis ta version préférée. En romance de Beta Tibi, une masse en turbation qui périclite au risque de nous armoirer se dévêtira en soudure sur nos lésions, suivie d'une chute aqueuse à peine issue qui astreindra le rivage intempérant. Saucisse cette nuit, huître demain. Oui. C'était le nul vin de bouteille du 1 Yadi de Palotin. Soyez au garde à nous, car jusqu'au projet Chacun son boire, ici Oulaoups, à vous, Joseph Rayé, l'horizon. Bravo. Bon bras.